Laisse-nous l'histoire. Dis-moi ce qui se passe là-bas. Le Cameroun, alors, est où? Non, c'est le Cameroun qui jouait au ballon dans la période. Là. En 1958, le Brésil est remporté. En 1962, le Brésil est remporté. Par l'équipe. Et là, c'est là le joueur. Cherche un nom, les Camerounais ont remporté, tu me dis. C'est ça, après le Cameroun, je jouais au ballon. On a encore les années 77. 70. Gars, sauf des endroits là-bas où les Camerounais ont joué, c'est ce qui m'intéresse. Bon, par exemple, je sais que le Cameroun a joué la Coupe du Monde des années 90. Bon, pas par exemple 90, 86. 82 d'abord, l'Italie remporte. En 86, la Chine remporte. En 90, la République fédérale d'Allemagne remporte encore. Tu racontes quoi là? Avec les joueurs comme Mila Roger et Thomas Kono, les buts que Roger Mila mettait au goal, tu ne voyais pas. Et les plongeurs de Thomas Kono, tu me dis que ça allait où? Bon, si Mila est plus fort que moi. Gars, laisse-moi ça. En 90, tu n'as pas la bonne information. Écoute d'abord, en 90, donc je parle là. On est arrivé en quart de finale. Parce qu'il faut confondre quart de finale et finale. Tout ça, c'est la finale. Non, non, c'est pas la finale. Est-ce qu'il n'y a pas finale? Après, quand tu joues le quart de finale, dès que tu gagnes le quart de finale, tu pars en demi-finale. Quand tu gagnes le demi-finale, tu pars en finale. Mais là, n'embrouille pas ma tête, pardon, n'embrouille pas mon cerveau. Tu comprends. En 94, le Brésil a gagné. Tu vois, les années 2000, pas les années 2000. Voilà. 2002, le Brésil gagne. Ok. En 2002, le Brésil gagne. En 2006, le Brésil a gagné. On est là avec deux mots, avec les Eto. Donc, tu veux dire que dans tout ça, tu merde. Ok. Et c'est ça, mais tout était ça. Le seul équipe était tout aussi fort, non? T'as plutôt. Non, ah, je pense. Peut-être que tu confonds avec la Coupe de Confédération pour le Cameroun et la finale en 2003. Gapal. Parle de la canne. Parce que là-bas, les Camerounais sont forts. Allons sur la canne. Toi-même, tu vas voir. Tout est informé, c'est pas facile. Tu crois que tu as l'information là? Bon, vas-y, je vais aller sur la canne. Oui. Je vais t'appeler aussi sur la canne. La canne a commencé en 1976. La première équipe a gagné, c'est le Maroc. Et toi, tu penses que c'est le Cameroun qui a la première canne. Continue. En 78, le Ghana gagne. En 80, le Nigeria gagne. En 82, le Ghana gagne encore. Le Brésil, joue. Gars, ne me demande pas, je sais que ce sont les grands. Moi-même, j'ai fait le match de Brésil. En 94, tu m'as fait ce que tout le monde. En 90, l'Algérie gagne. En 92, la Côte d'Ivoire gagne. En 94, le Nigeria gagne. Gars, laisse le babada. En 2000, le Cameroun vient encore gagner. Mais c'est mon pays. En 2002, ils viennent encore gagner. C'est où tu as vu qu'ils ont marqué 2 buts, ils ont encore. Ils sont allés au championnat. Tu sais, vous faites les 2 buts là. Mon frère, c'est sûr que ton tronc là ne donne pas les bonnes informations. Bon, par exemple, c'est ça. La dernière gagne que le Cameroun a gagné, c'était en 2017, devant l'Égypte. Donc, quand je regarde partout, il n'y a pas ton Brésil. Et pour ta commune, le Brésil n'est pas en Afrique. Laisse-moi ce que tu racontes là. Comme ton téléphone, même lui, quand il est déjà fissuré, comment tu auras les bonnes informations? Moi, mais ma mère, moi, être mon crédit. Okay. Tu me racontes une fois là.
Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion, situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Akwa, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, homme et enfant. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694-03-06-97 au 679-10-18-86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois.